Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est ici Célandron pour le 8ème épisode de mon let's play sur le jeu Age of Empires 3 Complete Collection. Alors je vous retrouve, on allait attaquer ce satané fort. Ça va chier des bulles, je vous assure que là ça va vraiment tout défoncer. Mais il faut qu'on se prépare correctement. C'est pour ça qu'on va se faire... On va se faire ça, voilà, hop, on va attaquer directement tous ensemble. Je pense qu'avec ça, ça devrait aller. On va pouvoir défoncer les portes du fort assez facilement. Quoique, est-ce qu'il faudrait pas que j'effonce plutôt ce qu'il y a autour? Genre ça. Les tours du fort. Allez, tournez-vous. Parce que ça fait quand même vachement mal. Voilà. Vous faites la même pour lui. Ah, attendez, il faut qu'on... Peut-être qu'on fasse venir des unités au cas où. Vous pouvez pas tirer les obusiers? Ok. Allez, si, voilà, vous pouvez tirer. Oh la vache, tellement d'unités de... Ok, là il va falloir qu'on avance parce que... Voilà, là au moins ça avance bien. Bon, par contre c'est le bordel sans nom. Ah non, ils arrivent à bien gérer, c'est bien. Non, ils ont bien géré. Maintenant, plus qu'à défoncer le fort. Défoncer le fort, j'ai dit. Voilà, on va le faire avancer, hop, hop. Oh, le fort, il se fait mais démolir, quoi. Boum. Oh, mais avec tout ce qu'on avait, on les a démolis, quoi. Pff, trop puissant. Trop de puissance. L'eau de la fontaine. Votre peuple sait se battre. Ce n'est pas encore fini. Beaumont s'est enfui en emportant de l'eau. Arrêtons-le. Le cercle a bloqué le col Est. Vous ne passerez pas. Maintenant qu'ils ont l'eau, ils vont se rassembler dans l'ossuaire. C'est leur QG, près de la Havane. Alors suivons-le. Vous croyez donc à la légende de l'eau de la fontaine? Je ne sais que croire. Mais que deviendra le monde si Beaumont est immortel? C'est vrai que ça sera un peu embêtant. Pourquoi c'est toujours les Français les méchants? Alors, nouvelle carte. Je suis monté niveau 17. Je pourrais me choisir une nouvelle carte. Non. Ça c'est pas mal. Amasse plus vite les pièces issues des mines. Bah allons-y. Le cercle s'est réuni dans le Suaire, son bastion à Cuba. Amelia et Kanyanke parviendront-ils à arrêter Beaumont ou le cercle l'emportera-t-il enfin? Bah on n'arrête pas de se déplacer, hein. L'ossuaire. Des navires de guerre sont censés combattre le cercle. Où sont-ils? D'expérience, je sais que les promesses du gouvernement américain ne sont pas fiables. Ils sont en retard. Installez le camp. Ok. La dernière bataille. Alors voilà le fameux ossuaire. Oh mon dieu. J'ignore si nous pourrons franchir l'ossuaire. Nous devrions peut-être débarquer sur la côte sud de l'île. Oh mon dieu.
Ça va être du sport, je pense. Alors, on est vraiment du sport. Faut qu'on aille à la Havane. Voilà. Il y a les colons. Peut-être que j'essaie de sauver. Vous êtes tombé dans mon piège, chérie. Ok, il y a des gens creepy par là. Des gens qui font vraiment peur. Voilà. On va essayer de sauver un petit peu les trésors. 40 pièces. Ouh. Allez hop. On va chercher le trésor, on va aller sauver les deux colons qui sont là. Après il y a quoi? Augmente les points de vie de l'explorateur du héros. 100% on va dire non. Et deux colons. Ah, deux colons c'est pas mal. Je vais essayer de sauver quand même les colons. Toujours pas mal. Et ensuite si je pourrais avoir toute la Havane pour moi tout seul, ça serait cool. La vache. Genre y'a combien de murs quoi? Oh. Et puis s'il y a des méga canons, il y a des canons fixes. Oh mon dieu. Oh non mais ça va être vraiment hardcore là je pense. Jusque là c'était plutôt simple. Mais là ça va vraiment chier les bulles. Ils sont combien de pirates? Ah quand même. Allez. Voilà, on va récupérer les colons, au moins on démarre un peu mieux. Et on va aller à la Havane. Hop. Direction la Havane. Ok d'ailleurs, d'accord, il se barre. Deux canons fixes quoi, aïe. C'est pas comme si ces machins c'était super puissant, mais presque. Ouh. Ils ont du matos quand même ici. Ils ont quand même du matos. Allez, on arrive. Nous vivons depuis longtemps dans l'ombre de l'ossuaire. Nous vous aiderons. Il faut tenir jusqu'à l'arrivée de la flotte américaine. Ah oui, non, mais j'obtiens pas toute la Havane, j'obtiens juste un chariot bâché, quoi. Génial, les mecs. Vous m'aidez vachement. Alors la Havane s'est retournée contre nous. Bien. Vous mourrez avec Amelia Black. Alors, j'avais pas deux colons moi. Si, vous avez le droit d'aller commencer. La marine de la garde attaque. Nous repousserons les forces du cercle pendant que vous construisez votre base. Faut que je passe à l'âge impérial. Alors. Hop. J'essaye de le dispatcher un petit peu. Hop. Je demandais quelques colons. Est-ce qu'un fort serait intéressant? Nous allons tenter de vous fournir des ressources. C'est gentil. Hey,
Ouh là là, je vais quand même vous aider un petit peu parce que là vous avez l'air de galérer. De ce côté là, ça va, ils tiennent le coup. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Yep. Et toi, tu vas essayer de me construire un bâtiment. Si j'arrive à faire des manoirs, comme ça, ça va produire plus d'unités. J'aurais dû faire le... les villageois et les chariots construire des bâtiments beaucoup plus vite. Ça aurait été pas mal. Alors... du coup, hop. Hop, vous, on vous dispatche. Voilà. Une fois qu'on aura trois manoirs, déjà, ça sera déjà un peu mieux. Hey, c'est pas simple, hein. Faudra aussi que je fasse des bâtiments pour les unités militaires. Important, si ce n'est indispensable. Alors... voilà. On va commencer par faire une caserne. C'est le minimum. Où est-ce qu'on va mettre la caserne? Ouais, puis je reçois des ressources. Pas mal. Donc j'ai quand même pas mal d'unités. C'est quand même pas mal. Bon, il faut juste que je fasse une caserne rapido. Ouais. Une caserne. Ensuite, il faudrait que je passe à l'âge impérial. Allez-vous avec les Indiens Caraïbes. Après, il y a plein d'objectifs bonus, mais... pas facile. On va faire venir des mousquetaires. Toujours bien. Il va falloir d'autres bâtiments de population. Hop, des mousquetaires vétérans. Ça sera déjà mieux. Boum. Encore 5 minutes et demie à attendre. Pas mal de pièces, c'est pas mal, mais pas non plus qu'il me pique tout. Voilà. Hop. Comme ça, ça me permet d'avoir quelques unités de paysans en plus. Je vais les aider parce que là, il y a... une saloperie de canon de campagne. Alors, toi au bois, toi aux pièces, toi à la nourriture, toi tu vas me faire une cavalerie. Je crois qu'il y en a un qui a eu bobo. Ouais, c'est ça. C'est fait juste défoncer. Non, non, évidemment. Je sais pas ce que tu foutais là, le mec, mais... t'étais pas au bon endroit. Non, mais je peux passer. Allez hop, un chariot d'usine. Nickel! Ça c'est bien quand même.
faire une fonderie d'artillerie aussi. Ah, j'ai plus assez de bois. J'ai vraiment plus de bois, quoi. Allez, la bouffe. La marine US arrive. Là, je pense qu'on aura le droit à une grosse arrivée dans pas longtemps. Faut qu'on se prépare. Fonderie d'artillerie, elle est terminée. Dès que je fasse venir des unités d'artillerie. On va faire venir des hussards. Hop. Quelques hussards supplémentaires. Un moulin. Ouais, ça devrait aller pour l'instant. Pas besoin d'avoir un moulin tout de suite. Voilà. Ça va, c'est plutôt pépère. Bon, par contre, il y a un canon de remontée. Aïe. Ça y est, linge industriel. Où sont les navires américains qui nous ont été promis? Alors, toi. À la limite, je pourrais faire un mur, mais sauf que ça servira un peu à rien. Alors, des hussards. Bon bah tu vas rester là en attendant. C'est pas des pièces que je voudrais. Artillerie lourde. Si je pouvais avoir une deuxième usine, à moins qu'il y ait une limite de... Je crois qu'il y a une limite, hein. C'est pas marqué. On pourra toujours essayer, mais je crois qu'il y a une limite. On va faire venir les mousquetaires. Parce que je sens la grosse attaque qui pue à des kilomètres. Genre par exemple maintenant. Ah, j'en reçois quelques petites matières premières, c'est pas mal. Du coup je peux même améliorer en redcoat mes mousquetaires vétérans. L'âge impérial, 4000, c'est quand même beaucoup. Hein. J'ai vraiment plus rien, quoi. Niveau bois, je suis à la ramasse, du coup, tu vas aller couper du bois. Soldat Redcoat. Donc, on va faire venir mes unités d'artillerie par là. Là, pour le coup, il va falloir d'artillerie. D'autres navires américains en masse. Sont arrivés. Ah ouais. C'est tout. Vous avez besoin d'aide, on dirait. Il était temps. Assiégez l'ossuaire. Beaumont est à nous. C'est tout. Il saute de moi, là. Oh, le foutage de gueule, quoi. Constitution. Attends, vous avez 3000 PV. Les moniteurs. Est-ce que vous arriverez à tirer d'ici? Ah ouais. Oh la vache. Ça a vraiment détruit le canon. Ah ouais, donc à la limite, il suffit d'attendre que ça s'est rechargé, et on s'occupe de chacun des canons fixes, et on pourra les assiéger pépère de l'autre côté.
Oh, bah ça fait 20 minutes. Donc, on va faire venir des petits mortiers. Hein. C'est déjà pas mal. Oh, j'ai plus de population. On va stopper là. Pour le prochain épisode. Hein. On reprendra lors de l'attaque. Enfin, pour l'attaque du prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !